élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Le bonheur n'est pas de ce monde. Je ne suis pas heureux. Le bonheur n'est pas fait pour moi, s'écrit généralement l'homme dans toutes les positions sociales. Ceci, mes chers enfants, prouve mieux que tous les raisonnements possibles la vérité de cette maxime de l'Ecclésiaste. Le bonheur n'est pas de ce monde. En effet, ni la fortune, ni le pouvoir, ni même la jeunesse florissante ne sont les conditions essentielles du bonheur. Je dis plus, ni même la réunion de ces trois conditions si enviées, puisqu'on entend sans cesse, au milieu des classes les plus privilégiées, des personnes de tout âge se plaindre amèrement de leurs conditions d'être. Dans un tel résultat, il est inconcevable que les classes laborieuses et militantes envient avec tant de convoitise la position de ceux que la fortune semble avoir favorisés. Ici-bas, quoi qu'on fasse, chacun a sa part de labeur et de misère, son lot de souffrances et de déceptions. D'où il est facile d'arriver à cette conclusion que la terre est un lieu d'épreuve et d'expiation. Ainsi donc, ceux qui prêchent que la terre est l'unique séjour de l'homme, et que c'est là seulement, et dans une seule existence, qui lui est permis d'atteindre le plus haut degré des félicités que sa nature comporte, ceux-là s'abusent et trompent ceux qui les écoutent. Attendu qu'il est démontré, par une expérience archi-séculaire, que ce globe ne renferme qu'exceptionnellement les conditions nécessaires au bonheur complet de l'individu. En thèse générale, on peut affirmer que le bonheur est une utopie à la poursuite de laquelle les générations s'élancent successivement sans pouvoir jamais y atteindre. Car si l'homme sage est une rareté ici-bas, l'homme absolument heureux ne s'y rencontre pas davantage. Ce en quoi consiste le bonheur sur la terre est une chose tellement éphémère pour celui que la sagesse ne guide pas, que pour une année, un mois, une semaine complète de satisfaction, tout le reste s'écoule dans une suite d'amertume et de déception. Et notez, mes chers enfants, que je parle ici des heureux de la terre, de ceux qui sont enviés par les foules. Conséquemment, si le séjour terrestre est affecté aux épreuves et à l'expiation, il faut bien admettre qu'il existe ailleurs des séjours plus favorisés où l'esprit de l'homme, encore emprisonné dans une chair matérielle, possède dans leur plénitude les jouissances attachées à la vie humaine. C'est pourquoi Dieu a semé dans votre tourbillon ces belles planètes supérieures vers lesquelles vos efforts et vos tendances vous feront graviter un jour, quand vous serez suffisamment purifié et perfectionné. Néanmoins, ne déduisez pas de mes paroles que la terre soit à jamais vouée à une destination pénitentiaire. Non, certes, car des progrès accomplis, vous pouvez facilement déduire les progrès futurs, et des améliorations sociales conquises, de nouvelles et plus fécondes améliorations. Telle est la tâche immense que doit accomplir la nouvelle doctrine que les esprits vous ont révélée. Ainsi donc, mes chers enfants, qu'une sainte émulation vous anime, et que chacun d'entre vous dépouille énergiquement le vieil homme. Vous vous devez tous à la vulgarisation de ce spiritisme qui a déjà commencé votre propre régénération. C'est un devoir de faire participer vos frères au rayon de la lumière sacrée. À l'œuvre donc, mes bien chers enfants, que dans cette réunion solennelle, tous vos cœurs aspirent à ce but grandiose de préparer aux futures générations un monde où le bonheur ne sera plus un vain mot. François-Nicolas Madeleine, Cardinal Morlot, Paris, 1863. Sommes-nous heureux ? Parfois, pour répondre à cette question,
nous cherchons à nous comparer les uns les autres, à comparer nos modes de vie. Mais que voyons-nous ? Juste quelques apparences très trompeuses. Si nous pouvions sonder les cœurs des uns et des autres, nous verrions combien nous sommes semblables. Nous verrions que nos luttes sont très proches, très similaires. Soyons plus vigilants dans nos interprétations. Évitons de juger trop rapidement. Notre présence ici-bas fait que nous sommes tous circonscrits dans une matérialité qui nous limite dans nos choix de vie, dans notre façon d'agir, de penser. Cela même pour nous protéger et nous inviter à progresser. Nous devrons donc progresser sur trois plans, au niveau physique, au niveau intellectuel et enfin au niveau moral. Et cette présence dans la matière nous permet cela, car nous devons subir à la fois un espace-lieu et un espace-temps. Ce temps est lent, très lent, par rapport aux facultés de l'esprit. Pour avoir un ordre d'idée, voyons combien de temps il nous faut pour traverser la planète, physiquement. Maintenant, voyons combien de temps il nous faut pour la traverser par la pensée. Et nous aurons un ordre d'idée de cette lenteur dans laquelle nous sommes plongés. Celle-ci nous protège et nous invite à vivre pleinement chaque instant, de faire plus attention aux conséquences de nos choix, de faire plus attention aux pensées que nous allons choisir pour les renforcer, les partager ensuite, car nos choix de vie sont des exemples pour nos frères. La plupart d'entre nous, nous complaisons dans le mal, et l'exemple que nous donnons invite nos frères à nous suivre dans ce mal, dans cette complaisance. L'ignorance de ce que nous sommes, de notre vraie nature, fait aussi que nous allons faire certains choix et pas d'autres. Alors faisons en sorte de mieux nous connaître, de répondre à ces questions qui sont les nôtres parfois. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Pourquoi je vis telle et telle situation? Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi un tel ne vit pas la même chose que moi? Pourquoi moi, je ne vis pas ce que l'autre vit? L'enseignement spirit qui nous a été légué par ceux qui ont habité la terre jadis, qui sont aujourd'hui dans le monde originel, le monde des esprits. Cet enseignement donc nous invite à mieux répondre à toutes ces questions. Si les questions aujourd'hui n'ont pas de réponse, elles trouveront leur réponse plus tard, lorsque nous serons capables de les accueillir et de les comprendre. Car l'ensemble de cet enseignement doit être vécu par chacun de nous. Nous comprendrons que c'est en aidant les plus faibles, en nous entraidant, que nous pourrons tous progresser. Et le mal disparaîtra à jamais de la surface de notre planète. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée de deux périodes de vie de notre planète. Les habitants de la Terre vivent donc dans un monde
d'épreuves et d'expiations. Les jours sont comptés. Et bientôt, tous vivront dans un monde de régénération, où l'on y vient pour se reposer de ses luttes intérieures, de cette dualité qui est la nôtre, puisque nous devons à la fois entretenir notre enveloppe charnelle pour que nous puissions interagir ici et mener à bien nos engagements pris avant de venir et pouvoir développer notre intelligence afin de développer ce sens moral qui nous différencie de nos frères mineurs, les animaux. Ce sens moral nous permet de connaître Dieu, d'aller vers lui et de commencer à comprendre ce qui nous est demandé ici-bas, d'être heureux en effet et de comment vivre ce bonheur qui nous est promis par cet enseignement. Jésus, en son temps, nous l'avait appris, enseigné. Le spiritisme vient éclaircir celui-ci, cette invitation qui nous a été faite il y a plus de 2000 ans. Alors faisons attention aux choix que nous faisons, car les conséquences sont nombreuses et celles-ci sont importantes pour nous et pour tous nos frères qui peuvent prendre exemple sur nous. Alors aujourd'hui, dans cette phase de transition, faisons en sorte de progresser moralement et de peut-être avoir la chance de rester sur notre planète afin de constater combien il peut être doux de vivre ici sur Terre. Soyons parmi ceux qui font des efforts pour s'améliorer, pour aider leurs frères, pour faire en sorte que cette humanité guérisse de ce mal complaisant qui est encore trop répandu ici. Demandons à être aidés dans cette progression. Demandons à comprendre comment vivre et ajuster nos choix. Demandons à pouvoir aider nos frères par la pensée ou en action. Apprenons à vivre ainsi, les uns avec les autres. Et bientôt, nous constaterons combien le bonheur peut être plus présent dans nos vies, à chacun. Un jour, le mal aura totalement disparu de la surface de ce globe et les habitants y seront plus heureux. Entre-temps, faisons en sorte de nous améliorer en tout point et de faciliter cette progression à ceux qui viennent nous rejoindre. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons être utiles. Alors, que faisons-nous pour l'être? Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.